Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous faire voir un peu le jeu que je vais vous présenter. Donc c'est un jeu US. Et je vais vous faire voir directement la boîte. Donc voici le jeu, donc qui est Dragon Card 3 en version US. Bien sûr, parce que comme j'avais dit, c'était un jeu US. Donc en version US, voilà. Donc déjà, je peux vous dire que la pochette, elle est vraiment super belle. Il n'y a rien à dire. Donc on voit l'héroïne qui est Zéro et son dragon. Je sais plus vraiment comment, je sais pas comment il s'appelle son dragon, mais ça on le découvrira dans l'épisode découverte, et peut-être que je vous ferai un display. Donc pour vous faire voir que c'est vraiment un jeu US, vous allez voir que derrière le jeu US c'est écrit en français, donc Carnage, hein, vous voyez, Carnage Beautiful, donc en dessous le carnage n'a jamais été aussi beau. Donc voilà, donc je vous ferai derrière la boîte. Donc vous pouvez voir que la version US de ce jeu à une traduction en français. Donc je vais vous faire voir un peu le CD aussi. Donc le CD, les notices, parce que comme c'est une version US, il y a deux notices. Donc ça c'est la notice, si je me trompe pas, la notice anglaise. Donc voilà, vous voyez là-haut, hop. Donc voilà. Bon, la notice ça fait 3 pages, mais bon. Et la notice française. Voilà. Oui, comme ça ici. Donc voilà, donc c'était juste pour vous faire voir la boîte du jeu qui sera le prochain jeu, prochaine découverte. Donc voilà, donc je voulais vous faire voir mon acquisition en jeu US. Donc pour ceux qui veulent le jeu, vous pouvez le télécharger sur le PSN, mais bon, sur le PSN c'est quand même 50€ avec les frais de 50€, et c'est 22Go de téléchargement. C'est-à-dire que là le jeu je l'ai payé 50€. Avec les frais de port, ça monte à 54. Donc vous voyez que d'un côté ou d'un autre, c'est un bon compromis. Donc je suis vraiment très content d'avoir récupéré ce jeu-là en boîte. Et on se retrouve juste après pour la vidéo gameplay. Donc à tout de suite. Zero. What now? Can I go find a bush? I need to pee. Dragon's protection must be a welcome thing indeed. You should thank him. Not every dragon is like you, Michael. Unfortunately. We've both been rejected by the world. We both feel the same threat. And yet, here we are, fated to kill each other in the end. You've grown strong, Mikhail. Zero, you big dummy! This is a story of 6 sisters. In a world protected by the power of song. But one of these sisters seeks to bring about the world's ruin. And she won't rest until all the others are dead. You're the monster who made the Intoners in the first place! Get on! Let's beat him together! No! This is exactly the kind of insane world I've always wanted! How delightful! I must do this.
It is my reward. I am just an idiot. Oh, Sand! Sand! I suppose. I really get some time for me. Hey, salut tout le monde, c'est Silence de la 59, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Dragon Card 3 sur la PS3. Et je vais appuyer sur Start bien sûr, parce que sinon on va durer 3 heures. C'est un jeu qui est sorti en... le 21... je vais vous laisser d'abord la cinématique, puis on parlera de tout ça après. Allez, c'est parti. Quoi, après chargement bien sûr. Et après la cinématique. Long ago, in an age tarnished by endless conflict, five beautiful goddesses descended upon the land. The goddesses sang mystical songs that restored peace and harmony to our broken world. The people began to worship these holy songstresses and came to refer to them as intoners. Thanks to the efforts of these intoners, the chaos of war became a distant memory. And as a result, mankind enjoyed an age of sweet reverie, basking in the newfound light in... You murderous savage. Savage? I think you mean intoner. She's in there! Take her down! Kill the traitorous demon! Michael. It's time to put an end to the intoners. Bon, maintenant je peux vous faire le pitch. Trouver, éliminer vos sœurs. Ok. Donc, qu'est-ce que Dragon Card ? Donc, Dragon Card est un, on va dire un beat'em all plutôt. On pourrait aussi dire que c'est un beat'em all avec quelques notions de RPG, mais on va plutôt rester sur le beat'em all. Donc, c'est un jeu qui est sorti le 21 mai en France uniquement en téléchargement. Je vais préciser en téléchargement parce que moi j'ai pris la version boîte en version US. Et comme vous pouvez vous l'apercevoir, la version US est traduite en FR. Donc c'était une très bonne pioche. C'est un jeu édité et développé par Square Enix, bien sûr. Ces Dragon Card sont une licence de Square Enix. Donne le truc après, mais c'est pas grave. Donc je peux loquer, ok. Et avec L1, on peut tourner autour. Donc une sorte de petit dash, tout tranquille.
Ok, là les archers là. Donc ouais, comme je disais, le jeu est sorti uniquement en téléchargement chez nous. Mais bon, vu le prix du jeu en téléchargement qui est de 50€, je me suis dit que je vais prendre la version US. Et je m'avais un peu renseigné et je savais déjà que la version US était en version FR, vu que nos amis canadiens ont le droit au jeu en boîte. Je sais pas pourquoi ça sert, mais c'est pas grave, ça donne de la vie sûrement. Non, Bijou, c'est quoi ce gros truc? Et du coup, bah, je me suis permis d'acheter le jeu en version US. Au moins comme ça, je suis tranquille. Éliminer le titan. What's this? It's no human, and yet not quite a beast. Might be some sort of automaton who buys back the crafty little bastards. Bon, vous avez beaucoup entendu ma manette. Alors, appuyez R1 sur R1 pour esquiver vers l'avant. Contre les ennemis ciblés. Vous pouvez passer derrière lui. Appuyez sur triangle pour lancer un assaut tout puissant contre et renforcer les... Okay. Voilà. Je l'ai décapité en plus, ça c'est super. Voilà mon dragon qui s'appelle Michael. Zero, go. No, you don't have the strength for this. These puppets are no match for a dragon. Fine. Just don't die on me. Oh putain, je suis blindé de sang. Donc chaque point, je sais pas comment ça sauvegarde par contre le jeu, donc on verra bien. Mais je pense que c'est par scénario sans moi. Une sorte. Oh, ok. Oh putain. Il y a de très beaux effets quand même, ça y a rien à dire. Bon, les sites français l'ont très mal noté. Comme je dis, hein, de toute façon, moi les jeux, je les prends pas pour leur beauté. C'est très rarement, mais bon. Oh god. No, 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 no! Death. This world can't survive without Intoners. If we want the good Intoners to live, then the traitorous one must die. Yeah, I'd shut up with the bullshit already, would you? Yeah. Move, 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 move! It's Zero! Zero the betrayer! Get the hell out of my way! C'est vraiment très sympa comme jeu. Bon, il disait graphiquement c'était pas très terrible, ça passe encore, hein, j'ai envie de vous dire. Même si c'est pour de la PS3, c'est vrai que c'est un peu light, mais c'est déjà pas mal. Et ouais, j'ai pas dit, le téléchargement de jeu sur le PSN c'est quand même 22Go. Et 22Go ça fait un peu beaucoup, dire que là, avoir le jeu en boîte ça m'intéresse plus. Donc je vous ai fait une petite vidéo juste avant. Donc voilà, comme ça vous verrez un peu la boîte et tout bazar, ça c'est cool. Vous allez voir, elle est très belle la boîte. Par contre, ouais, je vous l'accorde, les chargements sont très très longs. Donc voilà. Donc peut-être que je vous ferai un let's play, peut-être que j'arrêterai un peu, je mettrai en stand-by mon Final Fantasy X. Et j'attaquerai peut-être ce jeu-là en let's play. J'ai bien dit peut-être. It's been a long time, Zero. Has it? I didn't notice. You haven't changed a bit. You're still insane. Stop it, you're embarrassing me. That wasn't a compliment. Hey, it's Zero! Hey, Zero!
Zero, this fighting is pointless! You have to stop! We're sisters! Oh, don't be such a prude, Four. A good catfight really gets my juices flowing. Wow, I sure am popular around here. Enough talk, Zero. This is the end. Oh, it's the end, all right. Je peux pas nier, mais au moins les personnages sont vraiment très très bien faits. Par contre, ouais, voilà, le problème du jeu, c'est quand même la caméra. I wouldn't bother packing for your trip, too. Huh? Why not? Are you gonna pack for me? No. I'm gonna kill you. Appuyez sur rond pour bloquer les coups. Hein. Faudrait pas paraître si vous êtes à court de SP. Donc SP, a priori, ça va être la petite barre. Une petite barre, je sais pas d'où elle est. Par contre, pourquoi mon lock il vient de changer? Je sais pas. A bird without freedom has no place in the skies. You never did make any damn sense, Three. Perhaps restraint is a source of happiness. On va faire ça direct, comme ça j'ai un peu les massacres assez vite. Oh bah ils font pareil que moi, ça c'est cool. Did you just shut up and die already? Voilà, c'est un peu le bordel à l'écran. Please, sister, reconsider your actions. A real Zero would never do anything like this. J'en prends plein la gueule. Putain, vas-y, toi. On va enlever le lock parce que le lock il me casse un peu les couilles, en fait. You can curl up and die. Are you really about to get ravaged by your own sister, Zero? Whatever. Stop leering at me. I just love a sore loser. T'as le numéro 2, elle se barre tout le temps, la grosse pute. I'd love to let you rest your head on my magnificent bosom. But it seems like we're destined to fight instead. Fate can be such a cruel mistress. What do you want from us, Zero? What do you think? There's only enough room in this room for one. And you'd kill your own sister. 3 et 5, c'est le plus casse-couille. Je confirme. Five. Voilà. Non, c'est bon. Yep. Gabriel. On va défoncer Gabriel. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer. Wow, look who decided to summon a demon. That's no longer a dragon you've got there. It's just a monster. Shut up! I'm not subject to your judgment, sister. We in Toner swore to keep the world in balance. Je prends pas de vie, c'est cool. It's shameful. Yep, yep, yep. Ah ok, on a une barre d'endurance a priori. Ah voilà. Finish her. You. Will. Die! Zero! Fire! One!
How can he still have so much strength? She fled. You truly thought to kill the Intoners? Silly girl. Now, let us sing of the world's end. Ça, c'est un très beau prologue, ça n'a rien à dire. Mais très violent, par contre. Bon, ça me dérange pas, mais bon. Bah voilà, je crois qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter ici pour cette présentation de Dragon Card 3. Sur la PS3, bien sûr. Donc, si vous voulez voir la suite de mon let's play sur ce jeu, bah n'hésitez pas. J'essaierai de vous faire au mieux pour que vous. Si vous voulez voir le jeu, quoi, le let's play, quoi, vous avez qu'à me le dire. J'appuie sur suivant, tiens, pour voir, au pire. Puis voilà. Donc, ouais, de toute façon, encore du chargement, donc ça tombe bien. Donc voilà. Bon, là, j'ai pas parlé très très fort parce que je fais ça très très tard. Et que. In a world protected. Bon, je pense que la prochaine partie, je reprendrai là. Et que voilà quoi, c'est tout. Bon, je vais vous lâcher parce que sinon ça sert à rien de durer très très longtemps sur ce jeu. Je vous ferai voir plus au prochain épisode, bien sûr. Ça c'était le premier épisode. Donc comme j'ai dit, je vais laisser un peu le Final Fantasy sur le côté, puis on s'attaquera directement à Dragon Card 3. Donc cet épisode-là, je sais pas quand je vais le mettre, mais normalement ce sera peut-être pour ce week-end ou avant. Tout dépendra. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que ce jeu vous plaira, parce que c'est un jeu pas très commun en fait, donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis tchuss, et à la prochaine, pour une prochaine vidéo du poteau, et la prochaine fois je parlerai peut-être un peu plus fort, puisque là, je suis un peu dans la panade on va dire, mais voilà, la prochaine fois vous aurez plus de charme peut-être et de folie, donc voilà. Donc je vous remercie, je vous dis tchuss et à la prochaine pour une prochaine vidéo les potos. Salut et à la prochaine, tchuss.